Attendez la crème. Alors, Emmanuel, puis-je vous appeler Emmanuel? Et donc, Emmanuel, expliquez-moi, comment se fait-il qu'une jeune femme comme vous en arrive à posséder un cinéma? Après vous. Verdict. Comme je disais, pas si mauvais. Vous commencez à expliquer l'origine de votre possession du cinéma. À l'origine, le cinéma appartenait à ma tante et à mon oncle. Comment s'appelle-t-il? Jean-Pierre et Adam Imieux. Où sont-ils à présent? Mon oncle a été tué pendant la Blindstream. Continuez. Tante Ada est morte de fièvre au printemps dernier. Regrettable. On m'a été signalé que vous employez un nègre. Est-ce vrai? Oui. C'est un Français. Il s'appelle Marcel. Il a travaillé avec mon oncle, ma tante et mon oncle depuis l'ouverture du cinéma. C'est la seule personne qui travaille avec moi. Faire quoi? Projectionniste. Il est valable? C'est le meilleur. En fait, on peut voir en quoi ce peut être un bon métier pour eux. Savez-vous faire marcher un projecteur? Bien sûr. Non. Connaissant le ministre du Reich comme je le connais, je suis en mesure d'affirmer qui ne voudrait pas que la réussite ou l'échec de son illustre soirée dépende de la prouesse d'un nègre. Donc, s'il est admis que l'événement se tiendra effectivement dans votre établissement, talentueux sans doute comme votre nègre peut l'être, c'est vous qui actionnerez les projecteurs. C'est acceptable? Oui. Cigarette? Elles ne sont pas françaises. Elles sont allemandes. Il y avait une autre.